Capcom. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez compris, nous allons jouer à Auto Modelista sur GameCube cette fois-ci. Donc, un jeu de voiture en cel shading. Alors, déjà, on a le mode démo qu'on va vite enlever. Allez, no loading. Stop. Voilà, donc c'est parti. Prestart. Donc, un jeu de voiture qui suit la mouvance cel shading qui est apparu avec Wind Waker et ce genre de jeu. Enfin, pas tellement Wind Waker, c'est plutôt G7 Radio Future sur Dreamcast qui a lancé un peu la mode. Donc, c'était pendant 2, 3, 4, 5 ans une mode qui s'est répercutée un peu partout dans n'importe quel style de jeu, dont les jeux de voiture, dans celui que nous allons voir ici. Alors, donc c'est parti, donc nous avons un petit menu avec quelques choix. Alors attendez, je vais voir si le son est pas trop haut, par contre je vais le mettre au milieu, sinon on va avoir un peu de mal. Donc, on va voir déjà, donc on a le mode Garage Life, donc là c'est vraiment le mode carrière, on a le mode arcade, on a le mode de... Alors ça c'est pour revoir les replays, etc. Alors pour commencer on va faire une petite course à part. Donc on a un mode course simple, un mode VS et un mode Time Attack. Donc nous, ce qui nous intéresse, pour commencer on va faire une petite course simple. Alors, vous allez voir, on a pas mal de circuits, enfin, d'ailleurs, pour un début, il y en a pas mal. Sachant qu'on peut en débloquer encore un, logiquement. Donc on a Roko Hill, Akagi Hill. Alors Akagi Hill, bon ça c'est connu, Roko je m'en souviens pas. Suzuka, le vrai circuit. Suzuka, Osaka Highway, donc je pense qu'on est dans la ville d'Osaka. West Tokyo. Shinjuku, voilà, donc pour ceux qui sont allés à Tokyo, ils sauront à quoi ça réfère. Shinjuku World 2, Shinjuku World 2 encore. Shinjuku, c'est une gare qui dessert le Shinkansen aussi, pour aller un peu partout au Japon vers le sud. Bref, voilà pour le la petite explication. Donc voilà en mode pluie, en mode fine, donc en mode avec une météo plutôt correcte. Et en mode, on a aussi un, comment s'appelle, un oval, en US et un US Speedway. Donc ça c'est bon. Donc je vous propose de faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, Suzuka, on va commencer par un circuit qu'on connaît. Comme ça, après on pourra voir les autres. On peut choisir une musique, on va mettre en dub. Voilà. Et vous voyez la liste des constructeurs auxquels on a droit. Donc il y en a pas mal, mine de rien. Bon, c'est pas un Gran Turismo, mais il y a moyen d'avoir un truc sympa. Donc là par exemple, bon on va prendre par le premier, on va aller chez Acura, donc Acura préparateur Honda, surtout aux États-Unis. Donc là on n'a qu'une seule voiture, donc on a une Integra type R, on peut voir donc en haut là le petit volant, le petit rond, c'est donc les capacités en accélération, en maniabilité et en vitesse maxi.
On va revenir en arrière, on va essayer de voir d'autres constructeurs. On a par exemple Chevrolet. Et chez Chevrolet, on a plusieurs choix. Par exemple, on a la Camaro Z28 et la Corvette. Si je descends un peu plus, on a donc Ford, qui n'a que la Mustang et une voiture secrète. On voit la silhouette. Bon, on devine que c'est la GT40, mais bon. Pour ceux qui connaissent pas forcément beaucoup les voitures, ils vont se deviner, ils vont chercher, de savoir ce que ça pourrait être. La Viper GTS. Un petit peu. La Hyundai. On a que deux Hyundai. Ça, c'est l'Accent WRC. Ça, c'est une Tiburon GTV6. Alors, Tiburon GTV6, c'est la Hyundai coupée, tout simplement. On va pas toutes les faire, mais je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a quand même. Supra RZ. Donc là, vous voyez, déjà, la courbe est beaucoup plus grande. On a une meilleure accélération, meilleure vitesse de maxi. On a la MR2. On a la... Ils ont mis l'Exus dedans. IS200. La Celica GTS. Ça, c'est une Toyota 2000, je sais plus quoi. 2000 GT, ouais, 2000, tout comme ça. Bon, c'est un coupé. Je sais plus que le nom exact, je m'en souviens pas forcément. La MR2 Speeder, la Levin, la GT86. Voilà, Trueno. Alors, Trueno, Levin, bon, voilà, vous avez compris, c'est un peu les mêmes choses. Three Doors. Et on a donc quand même une Vitz, donc une Yaris. Une autre voiture secrète, alors celle-là par contre, j'avoue, je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, allez, un petit dernier constructeur, et après on va choisir une voiture. La Skyline, évidemment. La V-Spec tout court, qui d'ailleurs a une meilleure maniabilité. Alors là, ils s'en fait plaisir, ils ont mis 3 V-Spec 2. On a la 350Z, on a la 300ZX Twin Turbo. On a la Sylvia Spec R, la Sylvia KS, et la 240 ZXSE. Oh, encore une Skyline, une Day Skyline. On a une voiture secrète, donc ça c'est pareil, ça va être une Skyline à nouveau. Je ne sais pas. Et je ne sais toujours pas. Voilà. Bon, bah, écoutez, on va prendre quoi? Qu'est-ce qui vous intéresserait de prendre? Ouais, quitte à prendre une voiture, on va prendre une Dodge. Allez, une Dodge Viper, c'est parti. Donc on peut prendre la voiture en mode normal, en mode style 2 et en mode style 1, pardon, style 1 et style 2. Ça correspond à des améliorations des voitures, puisque quand on va être en mode carrière, on pourra améliorer nos véhicules. Donc c'est vraiment comme un Gran Turismo. Bon, on va la prendre en normal. On va choisir la couleur. Vous voyez les graphismes quand même, c'est du cel shading, donc c'est très très particulier. Bon. Le bleu est pas très beau, je trouve. En blanc, c'est bizarre. Bon, on va la garder en rouge. On peut choisir la transmission en sachant qu'on peut quand même faire tomber les vitesses. On peut quand même faire tomber les vitesses à la main si on veut. Donc, on va 3 tours. Le boost, on peut l'avoir. C'est puis, on va les mettre en normal. Et c'est parti. Alors, j'espère que le jeu ne va pas trop ramer. Ça serait vraiment dommage. Pour l'instant, ça a l'air bon. Donc le circuit de Suzuka en cel shading, voilà ce que ça donne. Alors on joue vraiment avec les graphismes de la GameCube, hein. Il n'y a pas de... Allez, c'est parti. Donc on est 8 sur la piste. Alors c'est un peu particulier, on a des effets graphiques de vitesse. On peut voir donc les vitesses que j'ai passées. Et vous voyez, ça se passe un petit peu en dérapage. Je freine avec B. Il y a une petit peu de faible de framerate, je vous l'accorde. Voilà, on est dans les enchaînements gauche-droite et gauche-droite à nouveau de Suzuka. Alors je joue avec le joystick, je joue pas avec la croix, ce qui fait que, vous le savez, je n'ai pas forcément l'habitude. Oula, attention. Alors je peux augmenter la vitesse moi-même si je veux, vous voyez là par exemple, tac, avec les gâchettes. Et là ce que je fais, c'est que je vais faire retomber ma vitesse. Ah, et je suis trop violent. On va essayer d'augmenter à nouveau. Alors je trouve qu'il passe trop tôt la quatrième. On a encore un peu de peps sur la troisième. Et malheureusement, il nous la passe trop tôt. Donc là on a une S6, il freine. Attends, gratte le nez. Ah, voilà.
Donc le circuit de Suzuka qui, en cel shading, rend plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est très particulier, évidemment, hein, le cel shading. Quand j'ai vu la première fois les images sur les magazines jeux vidéo à l'époque, je me suis dit, ouais, finalement, ça rend pas trop mal. À voir maintenant ce que ça va donner en vrai. Alors évidemment, la conduite est très arcade, mais pas forcément ça. Oula, alors là du coup, j'ai pris l'aspiration. Non, le 140R, c'est ça. Non, le 130R, 130R. Ouais. Alors, j'ai tendance à me louper parce que je freine avec donc le B et je peux lancer le dérapage, donc le frein à main, avec le bouton X. Et en fait, ça correspond à... C'est comme si je freinais avec rond et si j'accélère... Je mettais le frein à main avec carré, ce qui est totalement anarchique pour moi, puisque je fais toujours l'inverse de mon côté. Et on part en tête à queue. On part en tête à queue. On va essayer de repartir là. Bon, c'est bien, voilà, c'est qu'on peut prendre l'aspiration. Je crois pas qu'il y ait de dommages. Enfin, j'ai pas souvenir. Comme dit ce jeu, j'y ai très très peu joué. Hein. J'ai joué une ou deux fois. Et vraiment pas longtemps. J'ai plutôt le souvenir du circuit de Tokyo. Qui ressemble très vraiment à Initial D. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont fait exprès de mettre ce circuit. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. J'ai pas décroché. Oh, allez, ça passe. Donc là, je garde la quatrième et je vais retomber en troisième pour accélérer un peu plus d'un coup. Hop, on passe la quatrième. Je monte dans les tours. Et ça passe pas. Et j'ai une autre Dodge Viper d'ailleurs. Voilà, je fais tomber la vitesse, comme ça j'ai une meilleure accélération. Alors j'ai une vue arrière avec Z. Voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est mettre les warnings si je veux. Ça sert à rien, mais je peux le faire. Ah, je mets le warning, j'ai un problème mécanique, attention. Je vais me ranger sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc on a ça. On a encore les warnings. On a encore les warnings. Et on a encore les warnings. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Vraiment, je ne sais pas du tout. Allez, le 130R, ça passe. Après, il va y avoir un gros freinage. On peut passer, voilà, pas mal. Ouais, c'est pas très très compliqué. Après, j'ai une bonne voiture aussi. Enfin, j'ai une Viper quand même. Donc, on est deuxième en mode moyen. Je pense que c'est correct. Après, évidemment, ça peut aller beaucoup plus vite avec des modèles améliorés. Oh! Heureusement que ça m'a ralenti un petit peu, parce que je pense que je serais encore parti en tête à queue. Voilà, je refais tomber la vitesse à nouveau. On va essayer de se faire le premier. Alors j'espère que j'aurai pas de problème de droit avec les musiques. Je sais pas du tout si elles sont connues. J'en ai aucune idée. Bon, en général, ça m'arrive d'avoir des problèmes de droit avec des musiques. Mais bon, ce qui se passe, c'est que la vidéo, du coup, elle peut pas être monétisée, mais comme vous savez, je m'en fiche. Donc c'est pas gênant. Tant qu'ils me coupent pas l'audio, comme ils ont fait à un moment pour, par exemple, Gran Turismo 4, ça va. Au pire, on enlèvera le son. Enfin, au pire, je la referai, tant pis. Parce que, de toute façon, si je la refais, vous ne verrez pas cette version de la vidéo. Donc, je parle dans le vide. Allez, non, encore. Ah non, je suis en marche arrière. Je me suis mis en marche arrière. Bon, c'est pas grave, il est pas trop loin. Par contre, du coup, derrière, ça a remonté un petit peu. Alors, je vais mettre le menu options, tant que j'y pense. Donc, on peut régler le statut. Voilà, l'afficher ou pas l'afficher. Vous voyez, si on n'affiche rien, ça rend pas mal, mine de rien, le fait de rien afficher. Les jauges, on peut les mettre en kilomètres. On va les mettre en kilomètres heure. Pour nous, ça sera beaucoup mieux. Caution, on s'en fout. Et on va rester comme ça. Je peux continuer, retry ou sortir. On va essayer de finir. Voilà, on est en troisième. L'accélération est pas trop mal, on est en quatrième du coup. Alors, si je prends l'aspiration, ce qui se passe? Ouais, ça marche moyen, mais ça marche un peu.
Alors j'ai activé le boost, hein, vous l'avez vu avant la partie. Ça permet de remonter sur les... En fait les derniers vont plus vite que les premiers. Ah là là, on le tétaque au mauvais moment. Quel dommage. Dans la... Juste avant la chicane de fin. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Tant que je sois. Si je peux terminer le deuxième par contre, ça serait pas mal. Oh, je suis allé tout droit. Oh, regardez comment ça m'a bloqué. Le gravier est surpuissant ici. Hein. Ça arrête les voitures, mais d'un coup... Bon, une deuxième place, c'est quand même pas mal. On va se contenter de ça. Sinon, vous voyez le circuit, en dehors du fait que c'est en self-shading, il est très très bien réalisé, il n'y a pas de souci. Bon, c'est légèrement un peu large par rapport à la réalité, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on a terminé deuxième, voilà. On a Seiko en marque. Il y a des sponsors, hein, il y a du sponsoring, mine de rien, pour ce jeu. Et je peux voir le replay. Donc avec LR, je change de voiture. Quand il voudra. Voilà. Tac. Je peux donc... Alors là, je suis en mode live. Je peux changer la vue avec Y. Alors là, on a une vue juste devant. Une vue juste derrière. Une vue embarquée. Une vue autour. Et la meilleure vue, je pense, c'est quand même celle-là. Si je fais B ou A, je peux faire pause ou revenir en arrière. Voilà. Ou je peux accélérer. Je peux donc enlever la visu là comme ça. Et là je peux faire un petit arrêt sur image et regardez comme c'est très très beau. Voilà, donc on va faire start, on va arrêter. Et on va pas enregistrer le replay, on va faire exit directement. Alors on va faire le mode Garage Life qui est vraiment 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 le mode le mode carrière d'une certaine manière. Donc c'est parti, on va devoir créer un garage, donc là du coup, alors c'est très bizarre comme façon d'écrire le nom, vous voyez on a ADG mais en fait on a trois lettres, c'est un peu comme du téléphone portable, enfin les palettes tactiles, hein, ceux qu'il y avait avant. Comment qu'on fait pour effacer? Alors mon garage on va l'appeler... C'est tellement la flemme d'écrire ce genre de truc. Bon on va l'appeler... Voilà, on va l'appeler comme mon nom. Ah oui, mais je suis, voilà, j'ai tellement l'habitude de chercher du coup les lettres. Voilà. Ah ouais, c'est très original, hein. C'est vraiment... Mon dieu. Yes. Donc on peut choisir le... Bah voilà, à quoi ça ressemble, notre garage, on a trois choix. Je pense que le choix numéro 2 est pas mal, ça fait très... Moi j'aime bien, j'aime bien le garage 2. On va choisir une voiture, alors évidemment on n'aura pas accès à toutes les voitures. Ça me permet d'ailleurs de passer par le bas pour vous montrer les voitures disponibles. Donc on a une Tommy Kera ZZ2, qu'apparemment je peux prendre, parce que j'ai pas de système d'argent. Chez Suzuki on a une Cappuccino, alors j'aimais bien cette voiture. Elle est toute mignonne. Alors ça là par contre je n'aime pas du tout, mais c'est les K-Cars, c'est les voitures très légères. Et en plus elle est 4 roues motrices apparemment. Ouais, je savais pas du tout qu'elle était 4 roues motrices cette voiture. Bah écoutez. Daihatsu, donc on aura le même modèle avec la Daihatsu Copen aussi. Alors très spécial comme voiture. On a la Move, Custom, Mira TR. Ouais donc voilà, bon, ça c'est pour ceux qui aiment les K-Cars. La Impreza WRX, donc chez Subaru, c'est logique. Alors on a la version, la nouvelle, et on a la version Impreza 22B. On a la... Ça c'était la 360, c'est une vieille Subaru. Voilà, on a la Mitsubishi avec la Lancer Evo 7, Evo 6, Evo 3. Ça, ça doit être une vieille Lancer Rallye, je pense. Une GTO. Et voilà, voilà ce qu'on a chez Mitsubishi. Après on a... Chez Mazda, on a la RX-7, la RX-8, la RX-7 ancienne version. C'est bizarre d'ailleurs qu'ils aient fait deux RX-7, j'ai entendu y penser. Ils auraient pu par... En fait, logiquement, ils auraient dû faire RX-7, c'est celle-là, RX-8, c'est celle-là, et la RX-9, c'est celle-là. Mais c'est pas grave. Donc RX-7, on a la MX-5, bien évidemment. Et là, on a une... Je sais pas ce que c'est. On va aller chez Honda, ça sera le dernier constructeur qu'on n'a pas vu, donc la NSX... La S2000, jusqu'à tout va bien, l'Integra Type R, donc ça fait un petit peu doublon avec la Cura, mais... La Civic Type R, en version 2000. Je crois que c'est la version 6 de la Civic, il me semble. Ouais.
La type R, on l'a déjà vu. La type R machin. Et on revient sur la Civic SIR2. Après, on a la CRX SIR2. La Civic SI, la Pro. Ah, ça a été... Elle était pas mal. Là, je sais pas ce que c'est. La Honda Beat. La NSX. Et voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Parce que j'ai un absolu, j'aimerais prendre une voiture rapide, tant qu'à faire. Ça même, c'est si je prends une voiture rapide, peut-être que je pourrais pas la customiser dès le début. Je ne sais pas, on va voir. Je ne sais pas ce qui vous intéresse, donc vu que je ne sais pas, est-ce que je peux faire ça? Je reviens au début. Bon, c'est parfait. Alors, on va le faire ça. Je ferme les yeux, en plus, c'est parfait. C'est en direct. Je fais. Voilà. Je descends, je descends. 3, 2, 1, top. Bon, donc, on va aller chez Honda. On va aller chez Honda. Qu'est-ce qu'on va prendre chez Honda? Ah, j'ai bien envie de prendre une S2000, mais bon, je pense que ça va pas trop le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Tac, 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 tac. CRX. Ah, j'ai bien envie de prendre une vieille CRX. Je sais pas pourquoi. 158 chevaux. Je parlais de voiture rapide au début. Ouais, une CRX, ça pourrait le faire. Bah, allez, je vais prendre la CRX. Désolé. Donc, je peux changer le nom de ma voiture. Donc, on va l'appeler bah, CRX. Donc, ça serait une CRISK. On va pas aller plus loin. Bon, bah, tant pis. Bah, ça va s'appeler CRX. Voilà. Je vais le mettre parce que j'aime bien. Voilà, c'est parti. Oh, on peut lancer une. On peut écrire une license plate number. Ça, c'est pas mal. License plate. Bon, on va mettre. J'en sais rien, moi. On va mettre. On va mettre ça. Non. Bon, écoutez, on va mettre le nom de la voiture. Voilà. R. On accepte. Donc c'est parti. Voilà. Donc bienvenue dans notre garage. Donc on peut changer la voiture. On a le mode caméra avec Z. Voilà, on peut tourner autour de notre belle voiture, notre belle CRX. De notre nouveau garage. Ah, j'aime bien l'arrière de la CRX. Ça fait un petit peu, ça fait un tout petit peu NSX. Alors, on peut tuner notre voiture. Donc, je vous montre un petit peu. Easy tune-up. Donc, ça, c'est. On s'en fout. Change tune-up part and setting. Dress-up. Donc, c'est color aero. Donc, là, je peux par exemple. Oh, alors, attendez. Est-ce que ce jeu est très très complet de certaine manière? Donc, on va y aller tranquillement. Donc, je peux changer le body design. Le color de la voiture. Donc, on va faire repaint all. Voilà, donc là je peux changer toutes les couleurs. Et si on mettait du rose pétant? Non, on va mettre. Ouais, du rouge, c'était pas mal. Un bon rouge. Ouais, y a encore, ça paraît. Pff, sinon, je la mets en noir, hein, tant pis. Mais je crois que c'est déjà ce que j'ai. Bon, on va la mettre en rouge. Donc là, on a la couleur du body. Donc, si je peux miser à faire par exemple du blanc. Voilà, ce qui est. Bon, après, ça sera des goûts, hein, donc. Hop, on peut changer l'aileron, par exemple. Je vais changer l'aileron, je vais mettre du blanc. Ça sert à rien. Mais je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre du blanc depuis tout à l'heure. Side aero. Est-ce qu'on peut mettre du blanc? Ah, ça me fait rigoler. Bah, écoutez, pour une fois qu'on a un jeu, on peut faire ce genre de choses quand même. Autant en profiter. Front aero. Ah, c'est vraiment dégueu de faire ça. Franchement, c'est vraiment immonde. Limite, je vais la mettre en noir. Ouais, voilà. C'est bien. C'est très bien comme ça. Side aero. On va laisser comme ça. Bon, on va laisser comme ça. Ensuite, on a. On peut mettre des stickers ou des body design. Alors, attendez. On a design 1, design 2. Bon, on va laisser normalement. Dresser part. On peut changer le hood. On a un secret. Donc là par exemple on va la mettre en mode full sport la voiture. Les miroirs.
Faut changer les miroirs. Oh, regardez comme elles sont comme différentes. J'aime pas du tout. On va laisser comme ça. L'aéro. Donc là, on a évidemment Mugen, qui est le préparateur Honda. D'où les Mugen Honda en Formule 1. Le B-Side Aero. Alors attendez, là, on va la tuner à mort. Ouais, c'est parti. On va faire le gros kiki. C'est parti. Ouh, attention, alors l'aileron. Voilà. Là, c'était pas l'aileron, c'était plutôt la jupe arrière. On a un normal. Secret, nothing. Ouh, le secret, il est monstrueux. Là, bizarrement, je préfère l'ancien. On va laisser l'ancien. Les wheels. Alors, c'est dommage parce que je sais pas du tout quoi ça va ressembler. Bon, écoute, on va mettre ça. Voilà. Et maintenant, les lumières. Non. Non, bon, bah, c'est normal. Je suis très content des lumières de base. Les couleurs, on a vu. On peut mettre des stickers ou la licence plate. Donc là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ah, on peut mettre des stickers. Bon, on fera pas ça. On fera ça plus tard. Si on le fait, parce que bon, ça va être trop long sinon. Next. Donc logiquement, ça va se voir. Voilà. Regardez la grosse voiture que nous avons maintenant. On peut faire un test run. On peut tuner la voiture. Donc là, on peut changer carrément les parties. On va mettre des pneus slick. On peut changer la marque. Ça sert à rien, mais on peut le faire. Qu'est-ce qu'on va prendre comme marque? Toyota. Toyota, c'est ce qui... Ouais, c'est ça, c'est l'auto GP, ça. Fall Dunlop, c'est le BTCC, Bridgestone, je sais plus, Yokohama, il y en a une qui fait le championnat japonais, je ne sais plus laquelle c'est. Bon, on va garder Bridgestone, de toute façon. Les brakes, maintenant. En mode racing, en mode Winmax. Les suspensions. Alors, on va mettre du... suspension... On va mettre médium, suivant le circuit qu'on va se taper. Pistein. Ça, je ne peux pas le faire pour le moment. Le muffler, donc le... Je sais plus ce que c'était déjà, mais bon. En gros, c'est le... C'est pour l'échappement. Ah, je reconnais tout... Vous voyez, il y a toutes les marques, hein. Grady, Apex, HKS... Enfin, c'est ultra sponsorisé, ce jeu. C'est limite Need for Speed, quoi. C'est... on va mettre Digen, tiens. On va pouvoir changer... Alors, j'ai que le normal. Donc, évidemment, je pense qu'il faut débloquer ça. Ouais, je fais déjà dès le début, j'ai pas de notion d'argent. J'ai juste besoin de débloquer les éléments pour améliorer. Ensuite, le turbo. Alors on est des ouf, je ne peux pas le faire, ils sont pas fous. Alors normal, accélération plus, accélération moins, max speed. On va faire accélération plus pour une bonne accélération. Et la réduction du poids, je ne peux pas avoir pour le moment. Donc vous avez compris, à part 2-3 éléments qui nous permettent d'améliorer, on peut pas tout améliorer pour le moment. Donc c'est parti, on va faire retour. Garage design, sub-garage, je sais pas ce que c'est. Alors, park, car, in storage... Ah oui d'accord, donc en fait on peut avoir des voitures qu'on a, qu'on possède, mais qui sont ailleurs, et on peut les faire monter dans le garage principal, comme on a là avec la CRX. Le statut. Donc là par exemple j'ai fait 0% du jeu, j'ai fait 15% au niveau de ce qui est modification de voiture, et au niveau du... je sais pas ce que c'est, tout à droite, mais bon, c'est juste des sponsors. Les chargements sont pas super rapides, je trouve. Là, par exemple, juste pour revenir en arrière, c'est un petit peu... J'ai des mails. Voilà, donc j'ai des mails pour le tuning. Donc, ils nous expliquent un peu, voilà, c'est un peu le tutoriel. Voilà, charging car, rental car. Rental core. You can receive car data from your friend using the tuned car this morning. Ok, voilà. Donc des petites infos sympathiques. On va revenir en arrière et on va aller un peu en jeu. Oui, je sais. Je peux sauvegarder aussi. On va faire race. Donc voilà, pour le moment, on a que le niveau 1 qui est débloqué. On a le Uraroko Downhill Challenge Cup, le Frenchman Challenge Cup et le Loop Highway Challenge Cup. Bah peu importe, on va commencer par celui-là.
on a des étoiles qui nous montrent un peu le niveau de difficulté du circuit. Donc là, on est à une étoile, je crois. On va essayer de faire cette course. Circuit d'Osaka, donc highway, donc c'est un, ouais, c'est le circuit qui est un petit peu en rectangle. Alors ce qui est bien, c'est que pas... Alors on est 6 par contre, je vais dire une bêtise. Mais on est, vous avez pu voir tout à l'heure, on était 8, donc il y a un peu plus de voitures que dans Gran Turismo. Par contre, c'est fou comme le jeu Gran Turismo a impacté les autres jeux en mettant à chaque fois 6 voitures. C'est un truc de fou. Je pense que Gran Turismo aurait mis 12 voitures ou 8, bah tous les autres auraient eu... Tous les autres auraient pris aussi 8 ou 12 voitures. Oh bah là, on les a grillés. Alors, j'ai pas montré les vues, on a une vue un peu plus éloignée. Oh, je vais lui mettre un vent à lui. Alors apparemment, il y a un gros virage après. Ouais, quand même, il y a une belle impression de vitesse. On a la vue embarquée. Voilà, c'est une petite chicane. Et voilà, on a 3 vues, de près, de loin. Alors la conduite est vraiment très très plaisante, je vais parler là-dessus. Là je suis au taquet, là je suis au rêve, là je suis au limiteur. Vous voyez. La conduite est très très plaisante, c'est un petit peu la Ridge Racer, c'est-à-dire on drift à beaucoup de moments, mais c'est très très fluide, on peut rattraper la voiture. C'est une bonne conduite, franchement c'est une bonne maniabilité je trouve. Évidemment, bon, comme je l'ai dit, c'est de l'arcade pure, mais... Pas pure. On va dire, c'est 70% d'arcade. Ah, il nous prévient à chaque fois qu'il y a un virage. C'est bien, mais bon, je le vois quand même, j'ai un circuit affiché en haut à droite. Donc là, pour le moment, c'est très très facile, mais bon, c'est logique, hein, c'est le premier course. Voilà, on a gagné. Ouais, je sais. Donc, on va faire OK. Le replay, on s'en fiche, on va passer à la suite. Next. Donc j'ai gagné une petite coupe. J'ai débloqué une Sport 800, une nouvelle voiture, dans mon inventaire. Oh, c'est bien. J'ai débloqué une Castrol Retro Oil, donc c'est dans mon inventaire. Un Snack Touchy, je sais pas ce que c'est. Un Sticker Sample. Et j'ai les nouveaux mails, c'est parfait. Donc là je suis toujours au niveau 1 parce que j'ai pas réussi toutes les coupes du niveau 1, donc on va faire la deuxième. Donc là ça sera sur un speedway. Alors je peux faire du tuning. Je peux voilà régler des paramètres. On va laisser comme ça. Et on va faire Go Race directement. Donc vous l'aurez compris, c'est quand même un jeu qui est très très sympa à jouer. C'est un bon jeu, vraiment hein, je suis très honnête avec vous. C'est un jeu qui peut ne pas être très attirant pour ceux qui détestent le shading, je suis complètement d'accord avec eux. Mais une fois qu'on a passé le cap, ça donne des graphismes quand même pas mal. Vous voyez la luminosité dans ce jeu. Voilà, sur ce circuit, c'est quand même vraiment sympa. Et je trouve que limite, ça permet aux consoles qui à l'époque bon, étaient quand même puissantes, hein, mais bon, on voit un Gran Turismo, ça peut être très joli. Mais ça donne un cachet au jeu. C'était fait un petit peu cel shading, donc un petit peu manga aussi. Je trouve que ça fait très manga. Donc là on est sur le speedway, alors j'ai une boîte qui est plutôt courte, donc du coup je vais être un petit peu gêné en ligne droite. J'aurais dû faire la gaffe avant. Alors je prends l'aspiration, ouf, vous avez vu l'aspiration comme elle est énorme. Alors on a combien de tours? On a 2 tours à peine, vous voyez ça va être très court. Hein. Là on a un virage, mais comme on est en... Ouh là là, attention, j'ai perdu beaucoup de vitesse. Je repasse la quatrième pour une meilleure relance. Vraiment ne pas hésiter à jouer avec les vitesses, et je pense que vous le verrez sur le circuit type rallye, enfin rallye de course de côte, il faudra vraiment jouer avec la boîte de vitesse, et je pense que on sera beaucoup plus efficace en boîte manuelle, vraiment beaucoup plus. Donc là j'ai perdu tellement de vitesse qu'on va passer la quatrième. Ah non, quatrième c'était vraiment juste. J'ai profité de la voiture. Ce jeu, ça donne vraiment envie de jouer à Initial D. D'ailleurs, on jouera un jour à Initial D, hein, au passage. Il y a plusieurs jeux qui ont été faits sur la série. Voilà, j'ai bien ralenti.
Bah, je sais pas si c'est forcément des bons jeux, il y en a eu tellement. J'ai peur de ce genre de jeu, parce que les jeux à licence en général c'est moyen. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa sur Initial 2. On essaiera ça, je sais pas sur quel support, mais on essaiera. Boum. J'aime bien la 6ème à chaque fois qu'il tombe. Donc là on a gagné, c'est super. Voilà. On va faire donc next. Et j'espère pouvoir vous montrer, de toute façon je vais vous montrer, les deux autres courses qu'il y a en haut, sauf si je perds. Donc j'ai gagné un engine turn-up level 1, un Michelin rétro, un golf poster, un steering wheel. Donc du coup, alors j'en ai eu deux, donc j'ai réussi le niveau 2. On va mettre la part body, hein. Enfin on va rajouter, pardon, ce que j'ai reçu. On va mettre une up. Voilà, on a eu un nouveau engine, je crois. Non, c'est pas ça. C'est un nouveau moteur. Voilà, donc là j'ai passé à 216 chevaux. Ce qui est pas mal. Donc là c'est bon, on valide. Et on va faire. On va faire une course. On va faire à nouveau les courses. Courses de côte. Alors là je l'ai réussi, mais je vais quand même passer celui-là. Qui parle, mais je sais pas ce qu'il dit, mais bon. Il parle un peu vite. Alors, c'est vrai que ça fait. C'est vrai que ses voix, ça fait très DJ Set Radio, je trouve. Ou à la limite. Comment ça s'appelle? Crazy Taxi. Et il y a un pot d'échappement qui bouge quand j'accélère. Vous allez voir en dessous de la voiture. Et c'est parti. Donc là, circuit plutôt sinueux cette fois-ci. Là, j'ai tapé complètement. Voilà, circuit à la initiale D, c'est parti. Alors là, on va galérer, je peux vous le dire, parce que j'ai pas encore l'habitude, simplement. Alors il est en descente, c'est la version descente. Donc c'est la version descente, alors on peut se dire c'est plus facile, mais en fait c'est assez traître, parce qu'on prend rapidement de la vitesse. Alors je devrais utiliser plus mon frein à main, on va essayer. Voilà. Vraiment à nouveau. Alors je gagne pas de points en faisant le frein à main, en utilisant le frein à main ou ce genre de choses. Mais je me demande si c'est pas un mode pour ça. J'ai pas vu. Alors là par contre c'est très particulier hein, comme course. C'est des pif-paf gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite quasiment tout le temps. Là j'ai utilisé le frein à main. Alors je vous propose de changer de vue pour avoir un peu plus d'expression de vitesse. Alors vous imaginez cette course, là on a une voiture de début, hein, on a une petite voiture. Mais quand on a vraiment une voiture très très rapide, après ça devient vraiment vraiment compliqué. Les... Ouais c'est pas mal, voilà. Hop hop hop, on est parti en tête à queue. Alors vite et force remettre, parce que là on est deuxième du coup. Ah il s'est loupé. Dans la ligne droite peut-être à la fin. Oh c'était limite. On a failli perdre vraiment à un donné moment. Donc là c'est bon, on a gagné. Donc du coup, donc on a droit au replay, on va pas le mettre. On va faire next. Je vais essayer de vous montrer une course de niveau 2. Donc on a gagné la Subaru 360. Auto Minister Rooster. D'accord. Tune car, c'est les stickers et un new mail. Bon, les mails, je les lis pas, vous aurez compris. On va faire donc le niveau 2 directement. Alors on a un Rainy Street Challenge Cup. Qui déjà est en 2 étoiles. Donc ça veut dire qu'on vous foulait par exemple, il est en 5 étoiles, donc à mon avis il va pas être facile. On va essayer celui-là, qui est apparemment sous la pluie, ou avec de la pluie en tout cas, enfin ça sera humide, tout simplement. Oh là là, il pleut.
Alors je ne sais pas ce que ça va changer. Le fait qu'il pleuve, je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est... Fou. Ça va être assez embêtant. Je me suis fait enfoiré. Après, il y a l'air d'avoir un énorme virage. Voilà, c'est bon. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de problème de pluie. Ce qui est logique, on est dans le tunnel. Ouf, on est sous la pluie. Voilà, j'ai pris mon temps. J'ai bien fait, apparemment, je suis pas le seul. On retombe la seconde. La pluie qui est plutôt bien faite, je trouve. Surtout, c'est du cel shading, donc c'est pas censé être très facile à faire en cel shading. Bon, la pluie n'est pas du cel shading, vous l'aurez vu, mais. Mais ça va, ça se fond bien dans le décor. En plus avec l'effet de vitesse au-dessus du capot là, l'effet avec l'eau, c'est pas mal. Voilà, on s'éloigne, il y a deux tours. Il faut être calme, hein. il faut vraiment pas forcément prendre son temps, mais être propre surtout, prendre bien les trajectoires, anticiper au maximum. Là encore, je vous dis, on est dans un niveau de difficulté très bas. Et quand on est dans un niveau de difficulté beaucoup plus haut après, ben c'est pas la même. Donc dès le début, il faut prendre des bonnes habitudes. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu, si vous l'avez eu ou si vous avez vu la vidéo tout simplement. Ce que vous aimez ou vous aimez pas. Ce que vous pensez du cel shading au passage. Pendant la mode du cel shading. Si ça vous a plu ou pas du tout. Yeah! Premier! Ouh! Trop bien. Allez hop. J'ai encore gagné. Bon, on a 42 minutes. On va faire une petite dernière course, je pense. Et on se laissera là. Donc next, 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 next. Donc là j'ai une coupe, j'ai gagné une réduction de poids. F kill scan, snake on sit, stick a sample. Ah bah attends, mais on va prendre du coup on va prendre la réduction de poids, ça sera toujours bien. En général dans tous les jeux type Gran Turismo, je commence toujours par la réduction de poids en premier. Augmentation de tout petit peu de puissance et si je peux les pneus. Parce que quand on a un bon grip, la voiture accélère bien et qu'on a légèrement plus de puissance, bah ça suffit largement dès le début. Donc, Tune Cars. Réduction de poids. Donc là, on va passer à... Bon, on a gagné... C'est des libs. Ça m'étonne que... Je pense pas que la voiture fasse 2 tonnes. Je crois que les libs, si vous multipliez par 2, en fait, c'est 500 est égal à... 1000 est égal à 500, je crois que c'est ça. Donc du coup, la voiture, elle fait pour le moment 958 kg, comme ça. Et là, elle va passer à... Pourquoi j'ai 900? Non, elle fait 1000. 1050 kg à peu près. Et là, elle va passer donc à 1000... 1024, bon, on va gagner 25 kilos quoi, simplement. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est bon. On va faire une dernière petite course. Voilà. Donc un jeu qui a l'air assez long, mine de rien, je sais pas combien de courses il y a. Mais on est au niveau de difficulté 2. J'espère qu'il y en a beaucoup plus que ça, parce que si ça s'arrête là, ça sera très rapide. On va voir le Urban Challenge à Tokyo, donc c'est parti, et on se terminera. On se quittera là-dessus. Oula, c'est un petit peu lagué. Donc là déjà, on va dire contre nous, c'est plus la même chose, on commence à avoir des berlines, et une petite MX5.
Ah, j'ai pris un bon départ, je pense, ouais. Je pense qu'il doit y avoir moyen d'avoir une bonne accélération en étant dans le bon régime moteur. Ok, donc là c'est un virage à angle droit. Oh là, j'ai passé la cinquième, j'aurais pas dû. Je me suis complètement loupé. Alors là, j'ai quelques pertes de framerate. Vous en rendez peut-être un petit peu compte. Le circuit assez détaillé quand même. Alors là, on est au taquet, il va y avoir un freinage, on va freiner. Ouh là, attention. Un autre freinage, angle droit. Le petit bip à chaque fois que je suis trop en sur-régime. Avec le bruit du dérapage, est assez moyen quand même. En fait, ce virage n'était pas très compliqué, c'est juste que j'avais monté ma vitesse en fait au lieu de la descendre. Pour la bande sonore, ça sera au goût de chacun. Je trouve que ça va. Bon, ça, c'est pas super pour un jeu de course, mais je pense que dans le thème color, enfin le thème un petit peu. Très, très coloré qui va avec le jeu. Ça va, ça peut aller. Mais bon, c'est pas vraiment les musiques qu'on utilise pour des jeux de voiture, loin de là. Là, c'est limite une musique d'ascenseur qu'on a. Donc, musique d'ascenseur, c'est plutôt dans les menus principaux, pas en course. Oula, j'ai mis la seconde, la première là, carrément. Et voilà, nous avons gagné la course. Trop bien. Donc, bon voilà, bon, finalement, je pensais qu'on allait galérer et ça s'est plutôt bien passé. Alors évidemment, comme les voitures évoluent en contre nous, nous aussi on évolue avec en changeant des parties de la voiture. On va mettre le replay, on va mettre Z, et on va laisser comme ça. Voilà, donc c'était Automodelista sur GameCube. Je crois que le jeu est sorti sur PS2 aussi. Puis peut-être sur Xbox. Je suis pas sûr que ce soit sorti sur Xbox, j'en sais rien. Ouais, franchement. Donc c'est un très très bon jeu. Vraiment, vraiment un très très bon jeu. Oh, regardez, j'ai presque fait un 360. C'est un très bon jeu. Bon, faut juste, voilà. Si vous n'êtes pas rebuté par les graphismes et que vous aimez bien le côté un petit peu rouler en drift, etc. C'est un jeu qui est fait pour vous, vraiment. Alors je sais pas si ce jeu s'est bien vendu, je crois pas. Je crois qu'il s'est vendu de manière assez moyenne. Mais si un jour il sortait un deuxième Automodelista, enfin un jeu dans le même genre, avec peut-être encore plus de trucs, des graphismes encore mieux, plus fin on va dire, parce que bon, le cel shading ça reste du cel shading. Il y a moyen que je l'achète parce que vraiment j'ai pris pas mal de plaisir à y jouer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde !